Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. De retour chez Arthur. Un an après pour le fauchage. L'année dernière c'était pour les semis de maïs. Là c'est pour le fauchage avec un ensemble Plutôt unique. Hein. Je te l'avais dit. Tu l'avais dit, tu l'avais annoncé sur tes réseaux. On va pas parler beaucoup en début de vidéo. Non. On va aller faire un peu de vue route. Ouais. Attaquer, il y a pas mal d'hectares à faire. Il y a 16 hectares à couper, là, des seigles, c'est haut comme ça. Il y a du boulot. Il y a de quoi s'occuper. Bah, je monte avec toi en cabine tout à l'heure. Allez, ça marche. Allez, à toutes. À toutes. Bon, première parcelle terminée. Alors, ça te plaît? Ça ouais. Hein. T'es pas venu pour rien. Ça tourne. Ouais. Avec le temps, les conditions, c'est magnifique. Le ciel noir qui reste là, au loin, tant mieux, ça nous arrange. J'ai bien pris en main l'ensemble. C'est la première fois que je fauche avec. Hein. Ouais, donc c'est sûr, faut s'y faire. Ouais. Donc tracteur de démo, 4220 Icon de chez JCB directement. Groupe Kuhn, c'est à toi. Groupe Kuhn à nous. D'ailleurs, nouvelle couleur de bâche. Ouais, c'est stylé. Ouais, c'est plutôt sympa. Stylé, ouais. Ça fait un peu gents. C'est ça. Je te suis pour la prochaine parcelle. Ouais, bah juste avant, si ça t'embête pas, on va attaquer la traite. Ouais. Il y a mon oncle, il est à l'ensilage là et il va arriver, il a réussi à. Il a gagné un peu de temps. Ouais, le chantier était presque fini. Tu pourrais voir tes nouvelles griffes. Oui, pas de problème. Petite automatisation sur la salle de traite. Là, comme là aujourd'hui, se retrouve un portrait. Trempage auto. Trempage auto et désinfection entre chaque vache. Donc dans le but de se gagner du temps et gagner en qualité de traite, quoi, une qualité de vie. Oui. Impeccable. Bon, bon. Bah, on se retrouvera tout à l'heure en cabine, moi je vais chercher mon bonnet. Hein. Ouais, ça caille. Ça caille chez toi. Je crois qu'à chaque fois que tu viens, ça caille. Allez, à toutes. Bon, du coup, Loïc, petit tour en cabine, présenter un peu l'ensemble à l'abri, parce que ça caille. Ouais, parce que ça caille, comme on l'a dit. Ouais. On essaiera de faire un petit tour vite fait sur la tente tout à l'heure, carrément. De l'extérieur, présenter un peu mieux. Et bien, présente-nous un peu l'ensemble, et puis surtout les faucheuses, parce que c'est ton achat. Voilà. Le tracteur, on est sur de la démo. Donc, on est sur un groupe de fauches 9,50 m. Ouais. Fauche à plat, gros changement. Par rapport à. Voilà, j'étais en conditionneur, une devant, une derrière. Déjà des beaux débits de chantier. Donc on a fait le choix. Déjà il fallait renouveler les faucheuses. Et on voulait passer sur de la grande largeur vu qu'on avait la puissance déjà. Ouais. On voulait pas passer sur un groupe de fauches à tapis et conditionneur. Du fait de grouper tout de suite l'andin et de ne pas pouvoir le faire sécher des jours comme aujourd'hui. Ouais.
Et l'an dernier, on avait acheté déjà l'endaineur à tapis à la Cuma. Donc ça, ça sera l'objet de la suite de la vidéo de demain. Et donc du coup, on est parti sur 9,50 m. Déjà, pour que ça corresponde avec l'endaineur à tapis, vu qu'il faut tout reprendre à rebours quand on fauche à plat. Ouais. Donc ensuite, fauche à plat, pour moi, abîmer la plante. Pas casser les tiges pour le foin, même pour l'ensilage, quoi. Et ensuite, le choix économique, parce que il y a grosso modo du simple au double sur le prix des curatifs déconditionneurs. C'est clair. Donc derrière, après, elle a quand même quelques petites options qui simplifient la vie. Donc notamment lors du repliage, comme tu as pu le voir. Oui. Les bâches qui se lèvent sur les côtés. Les feux qui s'escamotent aussi. Les feux qui s'escamotent. Ça, bien pratique pour faire, quand tu arrives vers les clôtures, des choses comme ça. Faire un mort, oui. Voilà. Et donc ensuite, elle a aussi l'option qu'elle peut s'écarter ou se refermer. Ouais. Donc l'autre jour, première prise en main, j'ai tout fauché ouvert. Et le problème, c'est que j'avais avec l'endaineur à tapis, ça me laissait une petite bande qui n'était pas retournée. Du coup, ah oui. Aujourd'hui, je fauche tout fermé. Mais va, t'inquiète pas, je pense qu'il y en aura assez pour occuper l'ensilage parce que là, ouais, là il y a de la cam. Là, il y a de la cam. Un petit point agronomique, il y a eu un seul passage d'engrais. Ouais. Du lisier au semi, 45 mètres cubes de lisier, sorti d'hiver, quoi, quand la végétation était partie. 15 jours après, 150 kg d'engrais, quoi, de l'azote, sa dose 27 en azote. Et plutôt content, ça fait du forage à pas trop cher, pas avec trop de la cher, qualité. Ouais. C'est pas épillé, on est bon dans le stade. Et du coup, d'un point de vue choix des faucheuses, pourquoi une cune? Très bonne réputation dans le secteur, ouais. Que ce soit solidité, qualité de fauche. D'ailleurs, notre entrepreneur qui a les ensileuses, il a le même, mais conditionneur plus les tapis. Donc ça a été un peu la nouveauté d'il y a 2 ans chez Cune. Donc là aussi, qualité de fauche irréprochable. Proximité du concessionnaire. Ça fait beaucoup. Faire travailler un peu le français. Bien sûr. Et puis, voilà, la conception nous plaisait bien. Le suivi de terrain a l'air plutôt correct, quoi, similaire à ce qu'on avait avant. Oui. Du coup, on l'a vu dans ma vidéo de la semaine dernière. Moi, j'ai fauché avec une petite 3 mètres à Crémanvilliers avec Théo. Ouais. J'irais tout au distri, bien évidemment. Mais là, toi, t'as un boîtier que j'avais pas. Avec une corde, non? Il y avait qu'une corde, évidemment. Bah oui. Tu vois, moi, j'ai pas les volets qui se replient tout ça, mais j'ai pas besoin de tirer une corde. Mais t'as un boîtier en plus que moi, j'avais pas. Du coup, voilà. J'ai coupé le boîtier. Donc, pour faire un petit mot sur le boîtier, bon, assez simple de conception. Hein. Il gère juste des électrovannes, ni plus ni moins. Donc, il y a position A, c'est pour. Ça, on l'a fait une fois, régler la pression au sol, okay. À vérifier de temps en temps, mais s'il n'y a pas de fuite, ça risque pas de bouger. Position 1 pour le repliage, donc avec le même distributeur que je me sers à la fauche, quoi, pour lever et baisser. Okay. Je fais juste un appui long, c'est le petit bouton là, qui remplace la corde. Ouais. Donc ça lève les crochets et ça permet de faire le verrouillage. Et ça fait office également de sécurité pour finir de lever les faucheuses pour pliage. Et ensuite la position fauche, que je vais appeler comme ça, donc right and left, good pour English. Gauche, good English for me, pour droite et gauche. Et donc pour les pointes, bien pratique, tu lèves soit celle de droite, soit celle de gauche. Tu vois, le fait de passer sur de l'isobus n'est pas justifié pour faire ce qu'on fait non plus. Nous, ce qu'on voulait, tu vois, c'était faucher vite, que ça prenne le maximum le soleil, faucher à plat pour pas abîmer la tige, garder le maximum les sucres, et après venir derrière avec l'endaineur à tapis pour grouper en 7,50 m quand il est replié, pour lever tout le fourrage et qu'il reste rien par terre. Okay. Donc, l'idée, c'était vraiment ça, d'améliorer au maximum notre qualité sur les fourrages de première coupe. Surtout, c'est ceux-là les plus compliqués à faire. Vraiment améliorer pour en avoir le maximum qui reste dans le silo, pour que tout aille dans le tank et que les vaches produisent avec tout ce qu'on leur donne, quoi, hein. Oui, c'est clair. Petite
petit tour tout vite de dehors parce que, comme on l'a dit, ça caille. Ça caille. Bon, t'as présenté dans la globalité la machine. Oui. Tu voulais me montrer un peu les différents rangements qu'il y avait présents sur la machine pour les couteaux. Donc là, sur la faucheuse avant, on a une clé avec une boîte de couteaux. Ouais. Donc système classique, quoi. Tu sais, c'est les deux mâchoires qui serrent le couteau, un coup de clé. Classique. Autre chose que je t'ai pas présenté, mais là, ça, c'est pas branché sur ce tracteur. On avait pris les phares avant sur la faucheuse, plus les rétros d'angle mort pour quand on arrive à des intersections pour avoir une vue dégagée sur les côtés. Alors ce que j'ai bien aimé aussi sur les faucheuses arrière, tu vois, c'est de pouvoir lever le capot comme ça. Ah, c'est pas mal ça. Pour donner un accès plus facile quoi, aux faucheuses. Ah puis t'as accès facilement là. Voilà, au lamier pour aller changer les couteaux, c'est bien plus pratique quoi. Eh, c'est clair. Tu laisses la faucheuse lever et puis... Ok. Donc tu vois là le petit... petit rangement. Le petit rangement pour les couteaux avec droite-gauche quoi. Impeccable. Ok. Donc ça on verra peut-être ce soir ou demain quand on dételle. Donc ouais. On peut la dételler pliée ou déplier. Nous on la dételle pliée, on la dételle dans le bâtiment des laitières au fond. Okay. Il n'y avait qu'un peu là où on avait de la place pour les mettre. Donc... Ah bah faut avoir la place pour la ranger dépliée. Ben ouais. Et puis bon, faut avoir la porte aussi oui. Pour rentrer. Ça fait beaucoup de conditions à réunir. C'est clair. Ok. Donc bon, même tout... s'il fait pas grand nuit, je te laisse mettre l'effort et puis je vais refaire un peu d'image. Et on se retrouvera au bâtiment tout à l'heure. Allez, ça marche. Ça marche. Allez. Tu as un souci ? Bah ouais, je te disais, les couteaux c'est facile à changer, bah j'ai attrapé une pierre. On en parlait tout à l'heure, bon bah comme ça. Démonstration en direct. Bon du coup je lève ma bâche, hop, celle-là je la rabats comme ça elle m'embête pas. Je vais à ma boîte à couteaux, hop, donc ça doit être cela. Tu vois ils ont la flèche qui ramène l'herbe à l'intérieur. On prend la clé magique. Bonjour Loïc. Hop là. Oui, sinon l'ensilo je le retrouve. Hein. Parti. Voilà, on est le lendemain du chantier de fauchage, vous l'avez compris. Donc ce matin, on a pu faire le boulot dans les vaches, la traite, la mélangeuse, etc. Arthur, là, il est en train de donner un petit coup de karcher sur les faucheuses avant de les dételer. Et vous le voyez, le temps est vraiment pas avec nous.
Donc on va voir quand même, mais je pense qu'on va pouvoir essayer d'aller en dénier quand même cet après-midi. De toute façon, il faut bien le récolter. La météo ici est très capricieuse. Il fait pas très chaud, il y a un petit vent. Ça peut permettre de sécher quand même un petit peu, mais le brouillard est là et malheureusement, c'était pas tellement annoncé. Je fais 2-3 images d'Arthur qui fait le karcher, le décrochage, et puis après on ira chercher l'endénneur chez l'adhérent de la Cuma. Ça y est, Arthur est en route, vous l'avez vu sur les premières images. Il commence à pleuvoir de plus en plus, ça commence à devenir de plus en plus mouillé. Je suis pas sûr, je vais aller voir Arthur, je suis pas sûr qu'il continue. Ça commence à coller, c'est pas terrible. Je sais pas quelle météo ils annoncent demain, mais peut-être qu'il va vouloir peut-être s'arrêter, vous voyez. Il relance, il remet en route. On va aller voir avec lui s'il va continuer ou pas. Vous voyez, il est en train de replier. La parcelle n'est pas finie à mon avis, il va s'arrêter là. Je vais aller voir Arthur. T'arrêtes ? Je suis dégoûté. C'est... Là franchement... C'était pas annoncé. C'était pas annoncé. Si ! Ils l'ont annoncé il y a une heure. Oui, bah, quand oui, c'est... Avant que ça tombe. Moi aussi je sais faire la météo comme ça. Ouais. Alors là franchement... Ça fait pas du bon boulot là. Là pas... franchement. Ouais, c'est... Et c'est même pas qu'il en a fait beaucoup parce que rappelle-toi hier quand je suis sorti de la parcelle, ça collait beaucoup ouais, plus. Ça collait bien plus. Il y avait du vent et la terre était blanche hier soir quand oui. On avait fini de faucher. Et ça avait séché. Là il y avait ce matin ça allait bien quoi. Il y a un peu ce brouillard qui est arrivé et quand j'ai vu le brouillard arriver, il y a que la pluie qui fera partir le brouillard et pas manqué. Du coup, ça va donner quoi? Tu t'arrêtes là de toute façon là. Bah là on va arrêter pour aujourd'hui. Le problème c'est que samedi, dimanche, lundi, le mardi, jusqu'au 1er juin ils annoncent de la pluie. Alors on va essayer de faire ce qu'on peut, essayer peut-être de le ramasser. Demain, en croisant les doigts. On essaiera. Bon bah du coup on va s'arrêter là. Ouais. Parce que c'était pas prévu mais bon. Là tu vois on a réussi à endénner la parcelle. Ouais. Les andins ils sont... pas les plus jolis andins que j'ai fait, déjà il n'y a pas de terre. Oui, bah, c'est l'avantage de l'endénneur là. Voilà. C'est clair. On n'a pas ramassé de terre, ça en a laissé un petit peu, et je te l'ai dit quand on a attaqué, je t'ai dit je préfère que ça en laisse plutôt que de ramasser des pierres et de la terre. Bah, oui. Ça va finir d'être le bordel pour le ramasser demain. Et... Bon. Bon, et ben voilà. On désolé. Au bâtiment. De... Moi je reprendrai la route après. Puis... Merci bien pour l'accueil comme dame en tout cas. Ouais. Voilà. J'espère que tu reviendras quand même. Mais ben, bien sûr. Bon bah ouais, merci. Là, je t'avais dit, il faut que tu viennes là pour l'essai, il y a des jolies parcelles et tout. Et... Bah c'est magnifique ici. Ouais, on a vu hier sur les images du fauchage, c'est magnifique. Mais... Il y a un beau cadre et tout, mais. Voilà. Pas de bol. Dame météo a eu, par la pluie. A eu raison de nous. Bon. Merci quand même Loïc. Merci bien, à bientôt. Allez, ciao. À plus. Salut.